Allô, mon amour. Ah, c'est bien passé à Shanghai? Ah ben, tu prends un petit peu de temps pour t'amuser. C'est pas moi, ça. La première fois que ça m'arrive, puis je me fais prendre. Je suis vraiment malade. Tabarnak. Je t'aime. Est-ce que tu me désires encore? Ben oui. Peut-être que je souffre de dysfonction érectile. C'est drôle, mais j'ai l'impression qu'avec une poulette de 22 ans, ça t'arriverait pas. Sois là. Elle m'a fessé dessus, là. Ben oui, lâche les polices. Rémi, es-tu là? C'est normal d'en avoir des fantasmes. Tout le monde en a, mais t'es pas obligé de les réaliser. C'est qui est menteur, hein? T'es le chef des menteurs. C'est plus fun avec un gars ou avec une fille? C'est plus fun avec une femme. Oh. Et une pipe. Est-ce que c'est ton érection du matin? Ben non. Le médecin t'a dit de commencer à mener une meilleure vie, là. Éviter le stress. Le stress, je bois pas, je fume pas. Non, mais t'as menti toute ta vie. C'est stressant, ça. Dominique et moi, on a décidé de prendre une petite pause. Oh, ben voyons donc. Pour préserver un couple, ça prend de la maturité. Je suis sûr que Christian couche avec Geneviève. Quoi? Mais voyons donc, t'es-tu malade? Je coucherai jamais avec la femme de mon frère. C'est vrai, ça? Dans une vie, combien de fois on peut tomber vraiment amoureux? Et toi? T'as une belle blonde? Laquelle? Ou peut-être aller trop loin. Oh, ça, ça fait du bien. Geneviève, tu lui donneras un bon pourboire, hein, parce qu'elle mérite. Les filles, allez écouter un film dans le sous-sol. Pensez à quelque chose qui vous stimule pas. Denis Coderre. OK!